Hello, hello! Ça y est, je vous retrouve pour la suite du tutoriel Hortensia Stamperia, l'avant-dernier tuto où nous allons réaliser les pages 10 et 11. J'avais fait une pause, bien sûr, d'une quinzaine de jours due à mes vacances, mais terminé pour vous le chômage technique, c'est reparti. Et nous allons aujourd'hui faire ensemble cette. Dixième page, donc elle se ferme ici par une carte, il y a une pochette ici avec le très joli bouquet Hortensia. Elle se ferme par une carte, ce qui m'évite d'utiliser des aimants, j'aime pas mal ce système aussi. Ici c'est purement décoratif. Ça va s'ouvrir comme ceci, avec la possibilité de venir mettre une petite photo. Ensuite sur le bas, où là j'ai prévu une étiquette pour y glisser derrière un fond de photo, donc nous pourrons en mettre deux. Elle va s'ouvrir ici sur le côté, donc je n'ai pas envie de gâcher la jolie cage avec une photo, mais nous pouvons en mettre une ici. Ici nous retrouvons un tag pour y glisser un fond de photo. Cette partie c'est l'insert, donc vous voyez ici on pourra encore mettre des photos. Donc, ça s'insère dans la page, mais aussi ceci revient et fait partie du bloc. Ici, nous avons une grande pochette où nous allons, je les ai mis à l'arrière, nous allons pouvoir glisser des grandes photos. Alors, j'en ai mis deux, mais pourquoi pas, on peut en mettre trois, je pense. Donc, pas mal de photos dans cette page. Donc, on referme. Comme ceci, et ici. Et hop, tout est bien fermé. Ensuite, la 11e page, elle est plus simple, mais très jolie, j'aime beaucoup. Je voulais utiliser ici ce joli papier, puis surtout ce grand bouquet. Donc, je m'en suis servi de pochette, et puis nous pouvons également glisser des photos. Vous voyez, le dies, la découpe ressort par ici, parce que je n'ai pas collé à ce côté, je trouve ça très joli. Il nous restera à réaliser dans le dernier tuto cette page et puis quelques éléments de décoration finale. Donc, si vous êtes prête, et eh bien moi aussi, hop hop hop, c'est parti. Nous en sommes à la 10e page de cet album et il va nous falloir déjà un morceau de papier décoré de base. Ça va être celui-ci, il fait partie du bloc 20-20. À l'arrière, c'est ceci. Et donc, je vais me servir de ceci, de ce papier. Et vous voyez, je ne retouche pas, je vais avoir un joli bord tout autour. Je vais mettre l'album de côté pour l'instant et nous allons travailler sur cette base. Il va nous falloir plusieurs choses. Nous allons démarrer un petit peu comme cette page-ci. Vous voyez où il y a un insert. Et je reviendrai par la suite sur cette page pour finir de décorer un petit peu. Ça ne me plaît pas trop. Il faut que j'ajoute deux, trois choses, mais nous y reviendrons à la fin du tutoriel d'album. Concentrons-nous sur ceci. Donc déjà cette page. Et il va nous falloir plusieurs morceaux de cardstock. Alors déjà, un morceau de 5,5 sur 25 cm. Ensuite, un morceau de 15 sur 16,5. Et ici, dans la longueur de 16,5, vous allez faire un pli à 1,5. Ce sera pour ce côté. Ensuite, deux autres morceaux. Un plus grand de 18 sur 20. Qui rentrera dans l'insert de la page. Vous voyez ici, nous avons une ouverture. Ce morceau va rentrer ici, mais nous allons y attacher un second morceau de cardstock qui, celui-ci, mesure 20 sur 14,5. Et ici, dans la longueur de 14,5, vous allez faire un pli à 1,5. Je résume. Une bande de 5,5 sur 25. Ici, 15 sur 16,5, un pli à 1,5 de ce côté. Pour l'insert,
un morceau de 18 sur 20, on n'y touche pas, et un second morceau de 20 sur 14,5 avec un pli de ce côté à 1,5. Nous allons déjà attacher ces deux morceaux-ci, et pour cela, vous allez mettre un morceau d'adhésif de double face. Ah, je l'ai déjà mis ici sur l'intérieur, vous voyez. Et puis, nous allons les coller ensemble. Donc, vous venez amener ce morceau sur l'autre. Attention, pas sur la pliure. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre morceau à insérer que je vais recouvrir après. Ensuite, ici, pareil, on met un morceau d'adhésif par ici. Et nous l'attacherons également. Ensuite, j'ai perdu mon petit bloc acrylique qui me sert à couper bien à ras. Voilà. Et puis ici, avec ceci, nous allons venir mettre un morceau d'adhésif sur le bas. Alors, vous pouvez aussi mettre un morceau de colle, une bande de colle. Moi, j'ai un adhésif plus fin. Je vais utiliser celui-ci. Alors, pourquoi plus fin? Parce qu'il va y avoir une pochette ici. Et comme il est plus fin, je garde plus de hauteur. Et si vous n'avez pas d'adhésif un peu plus fin comme moi, vous mettez tout simplement donc une bande de colle. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, on vient poser ce morceau de cardstock bien à ras en bas, bien droit également, comme ceci. Ensuite, vous retournez, vous repliez chacun des bords. On marque bien un point de colle. Et on attache tout ça. Ensuite, bien sûr, nous allons recouvrir ce morceau de cardstock. Voilà, vous voyez tout simplement, vous venez attacher. Et nous avons notre pochette. Ensuite, nous avons donc cet insert. Celui-ci est libre. On ne l'attache pas. Vous voyez, il va se poser ici comme ceci. Par contre, je vais attacher ce morceau-ci. Et pour l'attacher et le centrer à la bonne hauteur, eh bien, vous allez mesurer ici à 2,5 cm. Donc, je fais un point. Et je vais avoir le repère où doit venir se poser ce morceau. Vous voyez, j'ai mon point ici. Je vais venir le poser comme ceci. Donc, une fois que j'ai le bon emplacement, je retourne, j'enlève la partie, comment dire, j'ai un trou, le bref, vous avez compris. Voilà, donc je retire. Ça ne veut pas. Voilà, et je viens poser ce morceau à l'arrière. J'ai ici mon petit rabat. Et donc voilà, maintenant nous allons laisser pour l'instant comme ceci. Nous recouvrirons après. Il nous faut encore deux morceaux de cardstock. Alors, ces deux morceaux, celui-ci mesure, j'ai noté à l'arrière, il mesure 12,5 sur 20,5. Donc ici, j'ai les 12,5. Je vais faire un premier pli ici à 1,5, vous voyez. Donc un premier à 1,5. Et puis un second à 2 cm. Donc, premier pli 1,5, le second à 2 cm. Vous voyez, je vais avoir un fin bord qui va me donner de l'épaisseur ici à l'arrière du rabat. Et il vous reste ici donc 10,5. On pose l'adhésif. Attention, surtout pas sur la pliure. Veillez bien à ça.
Et nous allons bien sûr l'attacher, mais avant il me faut un second morceau de cardstock. Et ce morceau va mesurer, lui, 15 sur 20,5. J'ai marqué 20,4, mais oui, en fait c'est 20,4. Et celui-ci fait 20,4 aussi. Donc 15 sur 20,4. Nous faisons un pli toujours de 1,5 sur... Ce morceau va se mettre comme ça. Donc un pli de 1,5 ici sur le bas. Et un autre pli à 1,9. Et nous allons avoir un rebord de 4 mm. Alors, je résume. Ce morceau vient, va venir ici en haut. Donc sur le haut, un pli à 1,5 et un pli... Un second pli à 2. On a un rebord de 5 mm et il va venir se mettre ici. Le second qui va venir sur le bas, donc vous faites bien la pliure sur le bas du cardstock, 1,5 et à 1,9, il va nous rester 13 cm. Hop, hop, hop. Un morceau d'adhésif sur l'intérieur. Décidément, j'ai perdu mon bloc. C'est pas grave, le trou est de couper bien à ras. Donc, une fois que vous avez posé votre adhésif, eh bien, nous allons pouvoir attacher. Donc, je reprends ma base. Le morceau le moins haut qui fait 10,5 vient s'attacher ici en haut. Et l'autre, bien sûr, sur le bas. Donc, surtout, vous vous alignez bien. Attention, pas sur la pliure. Alors, pour pouvoir coller correctement, je rabats ici le pli. Et je vais venir amener sur ma page. Je ne vois pas très bien où se trouve ce pli. Ça n'est pas facile quand je filme en même temps, mais je veux coller avec vous. Donc voilà, c'est tout bon. Vous avez le rabat ici et vous allez faire exactement la même chose. Donc oui, en fait, vous repliez pour avoir juste la bande ici. On enlève l'adhésif, la protection de l'adhésif. Je reprends ceci et je viens amener jusqu'à la deuxième ligne ici de la pliure. Et vous voyez, après, je peux tout remonter. Tout est droit. J'ai mon fin bord. C'est parfait. Donc, vous voyez, nous avons ça. Ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ici, comme cela, avec l'insert qui sera à l'arrière. Ensuite, nous allons préparer ceci, une découpe. C'est celle-ci. Donc, c'est ce dies aussi, le Random Window Frame. Et vous allez réaliser votre découpe avec ce dies aussi. Alors, vous voyez, j'ai ma plaque magnétique. Ça évite que mes dies se baladent partout. Je trouve ça vraiment pratique. Donc, juste une feuille autocollante d'adhésif que j'ai mis. C'est bien, ça me convient bien. Merci Valérie pour l'idée. Donc, avec ce dies, vous allez réaliser cette découpe. On la garde de côté pour l'instant et nous allons commencer à recouvrir de papier décoré. Pour recouvrir la petite pochette ici, vous allez trouver cette chute qui fait partie du bloc 20-20 qu'il nous reste. On laisse la longueur, c'est assez, et on va l'ajuster à 5,3. Donc, on va enlever une toute fine bandelette. Pour garder un joli tour tout autour et la poser ici sur
le papier Parme. Et puis pour ce rabat-ci, nous allons couper ces deux images, celle-ci et celle-ci. Donc j'enlève tout le tour et nous allons nous en servir pour ce côté-ci. Ensuite, dans le papier du bloc 30-30, dans les die-cuts, vous allez trouver ceci. Donc on détourne. Vous détourez comme je l'ai fait ici. Et nous allons nous servir de la découpe que l'on vient de faire. Alors, déjà, nous allons prendre l'horloge dans le bon sens. Donc, le 12 est ici. Et tout simplement, venir coller ceci sur notre jolie découpe. Pourquoi j'ajoute ça? Il y a deux raisons. Déjà, c'est très joli. Et puis, surtout, ça va renforcer mon image. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous venez l'ajouter ici sur le milieu. Attention, on ne colle que le bas. Vous pouvez protéger si vous n'êtes pas sûr avec un papier brouillon. Et on ne colle donc que le bas ici sur la pochette. J'ai collé l'intérieur de mon rabat. Maintenant, je vais coller l'extérieur. Regardez, avec cette colle, c'est génial parce que vraiment, je n'en mets pas beaucoup grâce à l'embout, le petit embout métal. Et du coup, mon tube dure assez longtemps. Ça, c'est top. Cette colle est un peu chère, mais comme il y a l'embout, on n'en utilise pas beaucoup en fait. Et donc, j'ajoute cette image-ci sur le dessus, et puis nous allons nous occuper de l'intérieur. Et donc, d'abord, le dessus du rabat. Je vais utiliser ce papier, donc il est à bonne taille, il fait partie du bloc 20-20. Vous voyez, exactement à bonne taille. Et je vais prendre ici le bas, où il y a le mot Memories, et couper à 13 la hauteur de mon rabat. Et l'ajouter donc tout simplement ici. Et puis nous allons préparer une découpe que nous allons réaliser avec ce dies, le Hornet Pocket Accent. Et je vais donc prendre cette partie-ci et cette partie-ci. Donc vous allez les associer ensemble. Poser ceci sur un morceau de cardstock Parme et vous allez avoir cette découpe que nous allons ajouter ici sur le bas, vous allez voir. Ensuite, nous allons recouvrir ici le haut intérieur. Je vais prendre ce papier et je vais utiliser ici le bas du papier qui vient du bloc 20-20. Je le coupe à 10,5. La hauteur de mon rabat. Et puis, nous ajoutons cette partie ici sur le haut. Il nous reste maintenant à recouvrir l'intérieur et l'extérieur. Pour le bas, j'ai choisi ce papier ici et je vais prendre ici cette partie où il y a la libellule. Il est comme ça à l'arrière, il fait partie du bloc 30-30. Et donc, il va me falloir un morceau de 20,4. Alors, vérifiez toujours avant de couper dans vos papiers la dimension qu'il vous faut. Vous voyez, là, il me faut 12,9, c'est suffisant. Donc, avant de couper dans du si beau papier, je vérifie toujours. Et donc, je vais couper d'abord comme ceci à 12,9. Vous ne voyez pas mon outil. Voilà, et puis je vais ajuster de ce côté-ci à 20,4. Et puis j'ajoute donc cette partie ici, comme ceci. Alors là, je ne laisse pas de tour, on a juste la rainure de la ligne de pliure ici en haut. Pardon. Une fois que j'aurai collé ceci, eh bien je referme. Et le morceau qui correspond
au bas de mon image, je vais venir l'ajouter ici pour avoir ici un rectangle assez sympa. Et puis, nous allons ajouter bien sûr quelque chose en haut. Maintenant, il nous reste ici à recouvrir un morceau. Et ça va être plutôt du masquage que je vais faire. Il me reste cette bande qui vient du papier 30-30. Je vais coller un morceau ici. Ne vous inquiétez pas, on ne va absolument pas voir le raccord. Vous allez comprendre dans très peu de temps. Donc, c'est parti. 20,4. Que je ne me trompe pas. Et donc, je revérifie pour être bien sûr. On a 3,1. Donc, j'enlève ici cette partie-ci. Et donc, je me positionne. Zut, ça ne veut pas. Oui, c'est normal. La réglette est de ce côté. Donc, je me positionne. Vérifie toujours. Ça ne va pas avec cet outil. 3,1. C'est un nouvel outil, mais en fait, je préférais mon ancien. C'est pas top top, en fait. J'avais plus l'habitude avec l'ancien. Donc, vous ajoutez ce morceau ici. Alors, attention, vous avez la ligne de pliure. Pour être sûr, vous poussez tout vers le haut. Vous ajoutez votre morceau et vous rabattrez ensuite de nouveau le rabat. Donc, on colle ceci. Et puis, justement sur ce raccord, nous allons remettre une dentelle. Donc, vous voyez, ça va complètement cacher. Et donc, on pose la dentelle avec la colle comme nous l'avons fait dans les tutos précédents. On ajoute un ruban de strass et ça n'est pas par hasard que j'ajoute ce ruban. Pourquoi? Parce que quand on va regarder l'album comme ceci, vous voyez, on a déjà deux rubans ici. Et donc, on va en avoir un troisième ici. C'est un petit peu pour une question d'esthétique de l'album et avoir une cohérence dans l'album. Donc, on colle le morceau, le ruban, les strass. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on peut d'ores et déjà mettre l'adhésif sur la page pour venir ajouter sur le oui sur la page pour venir ajouter dans notre album. Donc, comme à l'habitude, je fais d'abord un cadre avec mon double face et puis je vais mettre quelques bandes au milieu, 4 je pense, ce sera suffisant. Et nous allons pouvoir ajouter cela sur notre 10e page d'album. Et puis, nous avons encore une petite chose à faire. Vous vous rappelez, j'ai préparé une découpe. Elle va venir se positionner ici. Et avant, nous allons fignoler quelques petites choses et réaliser ici une pochette qui va permettre de fermer le bloc. Alors déjà, je vais bien couper à ras mon ruban et finir d'y coller les strass, comme nous l'avons fait précédemment sur deux autres des pages. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, nous allons déjà prendre ceci, le coller sur un morceau de cardstock Parm et détourer en laissant une jolie bordure de 1 mm autour. Donc déjà ceci. Et puis, nous allons préparer dans un morceau de cardstock qui fait 18 sur 10,5, une pochette. Dans ce morceau, nous allons faire un pli. Donc ici, sur la hauteur de 10,5 à 1,5. Et puis de chaque côté, ici, nous allons également faire un pli de 1,5. Enfin, d'avoir une pochette. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous marquez bien tous vos plis. Je vais enlever ça pour ne pas l'abîmer. Donc, on marque tout bien et puis je vais
couper les deux coins que nous avons ici. Mais avant de continuer à travailler sur cette pochette, nous allons la recouvrir. Et donc, pour recouvrir, peu importe le papier, en fait, il me reste cette chute. Donc, je vais la prendre à la bonne dimension. Donc, 15 sur 9. Donc, j'ai deux. j'ai le scoring et le cutting, coupé et plié. Et parfois, je me trompe entre les deux. Donc, 15 cm. Voilà. Donc, j'ajuste. Il a ajusté déjà. Et je vais poser ceci bien, bien à la bonne place. Donc, pour être sûr, vous repliez tout pour ne pas dépasser. Et vous collez. Et ensuite, va venir s'ajouter la découpe. Donc, vous pouvez déjà la coller, pas de problème. Et ensuite, nous ferons une entaille avec le dies ici sur le haut. Donc, on termine ceci. Juste une petite précision. Pour coller les strass, il faut bien prendre le temps et appuyer comme ça dessus jusqu'à temps que ça prenne. Ce n'est pas facile à coller. Moi, je fais tout avec cette colle. Après, vous en avez peut-être une autre qui va mieux adhérer. Mais moi, ça me va bien. Je reprends donc ma pochette où j'ai collé ma découpe et le dies qui fait donc partie du même set, celui que nous avions utilisé pour faire cette découpe. Nous allons le reposer ici sur le papier décoré, juste au-dessus de la découpe. Il vient bien bien se caler. Et puis je vais mettre un bout de scotch, mais attention, celui-ci, parce que si vous mettez un scotch classique, vous allez tout abîmer. Avec ça, c'est le scotch avec lequel on délimite quand on peint les murs. Et ça n'abîme pas du tout. Une fois qu'on a posé ça, on passe dans la machine. Et puis, j'ai préparé mon petit tag. Donc, vous voyez, je peux l'enlever et ça n'abîme pas du tout. Il faut faire doucement quand même, mais c'est bon. Voilà, ceci, je n'en ai plus besoin. Et nous allons pouvoir ajouter notre pochette et mettre de l'adhésif sur les trois côtés. Donc toujours sans venir en mettre sur la pliure. Et nous allons pouvoir l'ajouter sur notre page. Voilà, donc je vais d'abord retirer ces côtés-là pour que les bas viennent se coller. Alors là, j'ai pas bien regardé, je ne suis pas droite, c'est pas grave, j'enlève juste ce qui dépasse. Alors surtout enlever si ça dépasse parce que ça ne va pas faire joli. Voilà, donc je marque bien et je vais déjà replier. Enlever ceci et replier la bande du bas dessus. Voilà. Ça va donner de l'ampleur pour y mettre des photos, le fait que j'ai fait une pochette. Et puis, nous allons venir l'ajouter. Est-ce que je l'ajoute en bas? Non, je vais laisser un fin bord pour que ça vienne juste se mettre à ce niveau. Donc, vous centrez et vous posez. Voilà. Ici, vous avez compris, nous allons pouvoir glisser une photo. Vous voyez, comme ceci, un fond de photo. Et ça va fermer tout le bloc. J'aime bien ce système de fermeture. Ça évite d'utiliser des aimants. C'est assez sympa aussi. Mais avant, je vais ajouter quelque chose ici. Donc, je rouvre. Je vais prendre mon insert. Donc, vous voyez, l'insert va se glisser sous la page et je vais avoir ceci qui apparaît ici. Donc, je vais recouvrir. Alors, on peut tout recouvrir, mais je verrai à la fin. Je vais recouvrir juste ces deux parties-ci puisque elles font partie de ma page. Mais le reste, eh bien, je verrai selon
le papier qu'il me reste. Alors, je mesure pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai 13, je vais prendre 12,5 sur 19,5. Et je vais venir le prendre dans ce papier qu'il me reste. Alors, je ne vais pas prendre les hortensias, je vais plutôt prendre ceci parce que ici c'est déjà bien chargé. Donc, on coupe le morceau et on ajoute ceci. J'ai collé ce morceau sur l'intérieur de l'insert, mais en fait, je voulais sur l'extérieur, donc pas de souci. Vous pliez et vous retournez et je l'ai sur l'intérieur. Sur l'extérieur, pardon. Je me mélange les pinceaux. Je vais prendre mon joli tag et l'ajouter ici sur le côté. Attention, juste un point de colle ici sur le bas et ici pour pouvoir glisser des choses derrière. Et on le met un petit peu en biais. Comme ça, ça sera très bien. Et j'ai préparé un fond de photo de 10,5 sur 15,5 qui va venir se placer ici. Donc vous voyez, ne collez pas trop par ici, sinon ça va dépasser. Donc voilà pour ce rabat. Je vais recouvrir ici et je vais prendre cette feuille avec la très jolie image, mais je ne vais pas m'en servir. Et je vais venir prendre un morceau ici sur le bas, toujours de 12,5 sur 19,5 et l'ajouter ici sur cette partie. Sur cette partie, je ne vais pas mettre de die-cut, j'ai juste préparé un fond de photo de 10,5 sur 15,5 pour venir le placer ici. Quand on y mettra la photo, le fin tour ressortira mieux. Donc, je ne le colle pas, je le laisse juste ici. Et puis, j'ai choisi cette étiquette, donc dans le bloc 30-30. Chaque fleur est une âme qui fleurit dans la nature, très jolie. Je vais le coller sur un cardstock blanc et le détourer. Et puis, troisième chose, je vais réaliser des fonds de photo, donc dans ce dies aussi, qui est celui-ci. Le grand, et comme je vous le dis toujours, il est génial parce que on va pouvoir venir, là c'est trop grand, mais regardez, une photo 10-15 va venir se poser dessus sans avoir à y retoucher. J'aime beaucoup ce dies pour les fonds de photo, donc je vais en faire 2-3 et puis nous collerons notre étiquette ici sur le bas. Mes deux fonds de photo vont venir s'insérer ici dans la pochette. Et puis, donc, mon étiquette. J'ai préparé un fond de 10,5 sur 15,5 qui va venir se glisser sous l'étiquette. Donc, surtout, attention, on met juste une fine bande ici en bas, pas trop, pour que le fond de photo puisse venir se glisser. Donc, vous la centrez à peu près par rapport à l'horloge. Comme ceci. Et mon fond de photo passe bien à l'arrière. Et ça va décorer. Alors, on peut le coller si on le souhaite. Mais sinon, on laisse le fond de photo amovible. Voilà ce que ça donne ici quand on ouvre ces deux rabats-ci. La cache sur le côté. Et il nous reste ici à venir faire une carte qui va fermer le tout. Et je vais prendre dans un morceau de cardstock bleu, dans une page de cardstock bleu, un morceau de 14,5 sur 14,5. On va pouvoir y mettre deux photos carrées ou une si on ne veut pas gâcher le dessus. Donc vous voyez, ça va venir, ça va rentrer ici, s'arrêter juste ici au ruban et puis fermer donc le tout. J'avais pris un morceau ici, mais ça n'allait pas, donc je ne vais pas l'utiliser. Alors, sur ce morceau 30-30, j'ai enlevé d'abord la bande qui se trouve ici. Et puis, nous allons couper ici à 14 cm pour avoir le rond qui se trouve ici. Et puis, nous allons prendre 14 cm aussi. Alors, je vais juste enlever un morceau ici en bas. Donc, je vais couper à... Je vais couper à 15,2. Et puis ensuite, ici, j'ajuste
à 14. Voilà, comme ça, on a l'hortensia. Et puis, vous allez coller donc ceci sur le cardstock bleu en laissant un bien joli tour. Et donc, voici ce que nous allons avoir. Il me reste à ajouter un petit quelque chose ici sur le bas. Et puis, cette page sera terminée. Et j'ai choisi le bouquet d'hortensia que j'ai détouré dans le bloc 30-30, dans les die cuts. Donc, de la colle juste sur le bas. Parce qu'attention, il ne faut pas venir coller sur la carte. Et puis, vous le centrez ici au milieu de la découpe. Alors, je fais attention à ne pas coller sur ma carte. Voilà, c'est tout bon. Et cette fois, on va pouvoir venir coller notre page dans notre album. Alors ici, j'ai inséré l'insert puisqu'il rentre ici et il est amovible. Je trouve ça très sympa. Et puis donc, je vais pouvoir venir placer ma page comme ceci. Alors attention, il doit y avoir un tout fin bord partout. Et puis une fois qu'on aura collé, on pourra réouvrir et venir ranger la page où elle se trouve, c'est-à-dire ici. Et tout se referme comme ceci. Voilà pour cette page numéro 10. Nous allons juste commencer un tout petit peu la page numéro 11. Nous allons déjà prendre un fond de papier pour la page. Et j'ai choisi celui-ci. J'aime beaucoup ces motifs fleuris et je voulais les utiliser pour un fond de page. Donc je vais prendre un morceau ici sur le bas. À l'arrière, nous avons la tête de femme. Je vais venir prendre un morceau de 20,4 sur 20,4, un carré. Et puis nous allons faire un petit peu de découpage. Voilà, ici j'ai ma base qui viendra se placer ici quand nous aurons terminé. Je mets l'album de côté pour l'instant et nous allons travailler sur ceci. Dans cette feuille 30-30, vous allez trouver ce très joli bouquet et puis la lettre ici. Je l'ai détouré et je vais vous montrer comment. Regardez, j'ai mes deux éléments. Donc la lettre, tout simplement, on détoure ici. Au niveau de la fleur, je suis partie comme cela. Ici. Par contre, ici, je n'ai pris que ces deux feuilles. J'ai continué. Ici, j'ai enlevé le haut. Comme ceci. Et j'ai pris mon panier. Bien ici, évidemment. Et donc, j'ai ces deux choses. La lettre, je vais venir la poser ici. Sur le côté de mon panier. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est le mieux. Peut-être ici, en fait. Donc, vous positionnez la lettre. Et puis, je vais la poser sur un morceau de cardstock Parme. Et puis, nous allons détourer. Mon morceau n'est pas assez grand. Sur un morceau de cardstock Parme, donc. Assez grand, bien sûr. Et je vais détourer de nouveau en laissant un fin bord de 1 mm, comme j'ai l'habitude de faire, pour deux choses. Déjà, ça va faire ressortir mon image, mais aussi ça va la renforcer. Si je la pose comme ça, le papier n'est pas assez épais, parce que ce motif va me servir de pochette sur cette page. Donc, je colle sur mon papier Parme, je détourne de nouveau, et puis nous allons l'ajouter ensemble sur la page. Nous allons maintenant pouvoir poser notre image. Donc, vous voyez, maintenant, elle est beaucoup plus épaisse, c'est mieux. Donc, vous la assouplissez un petit peu, comme ceci. Et nous allons l'ajouter. Est-ce que je l'ajoute par ici? Non, je vais la mettre par ici. Et attention, on ne va coller que ici, le bas. Donc, une fine ligne
sur le bord. Et puis, sur cette feuille-ci, pour attacher uniquement un côté. Mais vous voyez, je ne mets vraiment pas beaucoup de colle. Et nous pouvons poser notre image. Donc, le panier en laissant 1 ou 2 mm. Et la feuille arrive bien ici, dans le coin. C'est là où j'ai mis la colle et où la découpe va s'attacher. Voilà. Et puis, j'ai préparé deux fonds de photos, toujours avec, avec le même dies. Et je pourrais poser mes photos 10-15 directement dessus. Donc, deux fonds de photos et elles vont se glisser comme ceci, vous voyez, à l'arrière. Donc, c'est assez sympa parce que on va voir dépasser ici la découpe. Voilà cette page. Alors, elle est terminée. Elle n'est pas épaisse. Pourquoi? Parce que regardez, dans l'album, nous avons déjà pas mal d'épaisseur. Il n'en reste pas beaucoup. Et comme je vais donner un petit peu d'épaisseur à la dernière, celle-ci doit être plate. Mais je la trouve très, très jolie comme ça. C'est suffisant. Donc, je peux reprendre mon album et puis venir la poser dedans. On enlève juste le début. Vous avez l'habitude maintenant, si vous suivez mes tutos, donc juste le début. Décidément, avec les ongles, ça ne va pas du tout. On colle d'abord ce côté, sans enlever l'adhésif, pour avoir le joli tour. Et être bien centré. Une fois que c'est bon, eh bien, vous pouvez tirer des deux côtés et il vous reste à soulever et à enlever le reste de l'adhésif. Donc pour ces bandes-ci, vous allez doucement. Vous voyez, vous commencez puis vous tirez très très doucement. Je ne vais pas le faire en vidéo, ce serait trop long, mais voilà, et ma page est parfaitement droite en ayant adopté ce système. Je vais maintenant commencer à préparer mes fleurs pour la déco que nous ferons tout à la fin, la déco fleurie. Je vais en ajouter sur la couverture. Je vais faire des pétales avec la collection Cottage Garden Hydrangea de Herfel Creation. Donc, vous voyez, j'ai des pétales ici, grands et petits. J'ai le mold également pour les modeler. Je vais en ajouter sur la couverture. Alors, je vais en faire dans des tons parmes, dans des tons bleu ciel. Donc, si vous voulez en préparer, c'est le moment. Car nous terminerons la déco finale ainsi que la page 12, la dernière page dans le prochain tuto qui sera le dernier. Je ne pense pas que je rajouterai de fleurs à l'intérieur parce qu'elles sont dimensionnelles. Donc, ça va relever trop l'album. Et puis, il ne faut pas qu'il soit trop relevé parce qu'il faut encore de la place pour mettre les photos. Donc, il ne doit pas être... Il doit rester encore un petit peu d'espace. Donc, pas de fleurs à l'intérieur. Juste sur la couverture, quelques pétales. Et bien, voici, ce tuto est terminé. J'espère que ces deux pages vous plaisent. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Et donc, cet album est presque terminé. Je vous retrouve très vite pour le dernier tuto. En attendant, je vous fais plein de scrap bisous. Ciao, ciao.